Oh, ça, quelle pépite encore. Encore une pépite, le port de Solaire. C'est magnifique. Regardez ça. Non mais c'est incroyable, Majorque en fait. Hein. Partout où on regarde, c'est magnifique. Bon, on n'a pas fait le... On n'a pas visité les trucs nazes aussi. Hein. On a fait le gros du gros. Après, on doit pouvoir dans le détail trouver des endroits encore un peu plus pittoresques. Mais enfin, c'est bien joli ce port là. Pas beaucoup de gros bateaux, avec la ville en arrière-plan, là, sur le flanc de la montagne. C'est vraiment très joli. Toujours les Ménorquins. Moi, je trouve que c'est vraiment joli et typique. Il y en a partout, il y en a plein. C'est vraiment le bateau traditionnel. Ils sont attachés à ce bateau, c'est incroyable. Hein. C'est imaginer que sur le bassin d'Arcachon, 80% des bateaux à moteur seraient des pinasses. Ça aurait notre gueule. Que des petits Ménorquins les uns à la suite des autres. Regardez-moi ce panorama. En fait, les Majorquins et les Espagnols, de manière générale, me semblent très attachés à l'esthétique de leur tradition. Je trouve ça très joli et je trouve ça bien, en fait. Ils sont modernes, hein. Ils ont des bateaux à moteur, tout ça, ils ont plein de choses. Mais ils conservent leur tradition, leurs petits bateaux locaux, et les ports les mettent les uns à la suite des autres pour faire un ensemble. Je trouve ça très joli. Donc ça c'est la station. En face là-bas, le club nautique. Quelques grosses unités, mais pas tant que ça. Et au fond, je ne sais pas si vous distinguez, le mouillage. Alors le mouillage, ça doit être parfois compliqué pour y trouver de quoi mettre la pioche. Hein. Bon là, il y a des gros bateaux charters qui arrivent pour prendre les touristes. Voilà, je vous disais, la sortie typique des Espagnols, un petit coup de Ménorquin pour aller dans les criques. Capitainerie du port Ibé de Solaire. Alors c'est le port qu'il faut contacter, parce que ce sont les ports publics, donc moins chers. Vous pouvez les contacter par le canal 8 généralement lorsqu'ils existent. Mais il n'y a pas des ports publics partout. Voilà le ponton à annexe. Hein, bon courage si vous avez des courses à faire. Mais enfin au moins il y en a un par rapport à la Costa Brava. Ça change la vie. Là on a vu sur le mouillage. Attention là on a une belle figure de proue.
quittons à 7h du matin, le 1er août, nous quittons le port de Barcelone, de Palma, de Majorque. Une bien belle étape, comme vous avez pu le voir, nous avons été conquis par la ville. Magique, sublime. Et là, nous remontons la côte est, sud-est des Baléares, en direction à nouveau probablement de Porto Colón. Nous retournons probablement à Porto Colón pour une grande nave, environ 45 000. Et le lendemain, nous allons remonter sûrement sur Poyenza, puisqu'on récupère les enfants, voilà, on va faire d'autres belles navigations dans le coin, peut-être refaire ce qu'on a fait, j'espère faire autre chose, on va voir en fonction du temps. Allez, c'est parti.